Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je voulais pas faire ce vlog, mais je me suis dit je vais le faire parce que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas en train de faire des lives les dimanches. Là, j'ai décidé de prendre un peu les vacances. J'ai décidé de rendre visite à un ami. J'ai eu à prendre 3 vols. Normalement, je devais prendre 3 vols aujourd'hui. Un vol qui devait quitter Des Moines pour aller à Washington, mais j'ai manqué le vol, donc ils ont changé mon itinéraire. Donc j'ai fait Des Moines, Charlotte, Philadelphie. Je devais faire Philadelphie à Burlington, mais mon vol pour aller à Charlotte a été mis en retard. Donc voilà, tout est mélangé. Donc je suis à Philadelphie et j'ai commandé un Uber. Le Uber va venir, je pense que déjà là. J'ai passé la nuit à Philadelphie et voilà, c'est dans un petit hôtel, hein, un 2-3 étoiles. Et voilà, j'ai mon Uber qui va venir me prendre à 10h30. J'ai fait des pompes. Je vous montre un peu à quoi ressemble la chambre d'hôtel. C'est pas vraiment fameux, mais bon, c'était suffisant pour passer la nuit. Voilà. J'ai une petite table à manger là. Petite table de nuit. Voilà, le miroir, la télé. Le lit, bien sûr. J'ai déposé mes habits là. Je suis venu avec mon habit. Avec ces habits là et mon sac. Mes bagages sont déjà arrivé à destination. Donc, je pense que je vais récupérer les bagages dimanche. Et voilà. Vous avez le petit miroir là. Ah, et je suis un garçon. Donc voilà, c'est tout quoi. Je suis à l'aéroport, donc je vais faire tous les passages de sécurité et puis on se voit après. J'ai commandé une bouteille d'eau. Là, j'attends mon sandwich qui va sortir. Et je vais aller à mon gate pour attendre mon vol. Voilà, c'est ce que je vais faire. So, de l'autre côté, c'est New York. New York. It's a boat? I think it's not a ship. It's like, you know, a yacht. No, like a private boat. Like, something like that. You know, it's like a private boat. Okay. I think it's owned by people and they just. And they're doing tour or the same way you can buy a car, people are buying boats a lot. And, you know, yeah, they draw with the car, exactly. Their boats on the top. Yeah. Exactly. And they tow the boat onto the, you know, on the water. That's it. Do you know how to go rowing the boat? Yeah. Of course, come on. You know. And even when we went to the to the expedition or whatever, last year around the same time, May, to the retreat. Yeah, it was kind of cool.
Donc ici, voilà, relaxé. Relaxé. Beautiful. That's it. Ça m'a piqué là. Ça a été un incroyable séjour. J'ai pas tout montré, mais ça a été cool. Là, je dois rentrer parce que j'ai beaucoup de choses. Je dois m'occuper de certaines choses à la maison. Et voilà, je suis first class. Faites-vous plaisir. Ok? Minuit ici à Des Moines, mais il y a une chose que vous devez savoir, c'est que je vais vous donner plusieurs raisons pourquoi vous devez aller en first class. C'est quelque chose, je me disais non, ça c'est, je sais pas pourquoi je dois dépenser plus d'argent pour aller en first class alors qu'on sera dans le même avion. Bon, mais j'ai compris que on dit pas first class pour rien. C'est comme si en first class tu as accès à des choses beaucoup plus rapidement. Je vous dis que pour sortir de l'avion, j'ai dû passer énormément de temps à attendre. Et c'est ce que les gars de first class gagnent. C'est-à-dire ce temps d'attente là. Ce temps d'attente là. Ils évitent. Vous comprenez? Ils évitent ce temps d'attente là. Et à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Je veux toujours aller en first class. Toujours. Que tu rentres premier, tu sois en premier. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est les deux raisons pour lesquelles vous devez être en first class. Ok, je vais prendre mes bagages maintenant, je rentre à la maison.